10 000 $, ça fait cher le coup de raquette. C'est l'amende à laquelle a été punie Serena Williams pour avoir dégradé un court de Wimbledon lors d'un entraînement avant le début du tournoi. Les organisateurs ont confirmé le montant de l'amende qui équivaut à 8 900 €, mais n'ont pas précisé quand avait eu lieu l'incident ni donné plus de précisions. La championne américaine qui s'est qualifiée pour les demi-finales vise un 24e titre de Grand Chelem à Londres. Elle n'a fait aucun commentaire. Preuve que le All England Club qui gère l'Open britannique n'est pas des plus laxistes, Nick Kyrgios a lui aussi écopé de 8 000 $ d'amende pour deux incidents antisportifs survenus au premier et second tour, lors duquel il a été éliminé par Rafael Nadal. C'est ce qu'on appelle un voyage coûteux.